intelligent. Donc, j'avais un plan en main et là, vous allez où? Disons qu'on laisse l'escalator dans le métro, c'est la panne. Moi j'étais avec ma grosse valise et un Québécois qui s'est arrêté. Et la première valise, il m'a aidé. Non. Il va se casser. Elle aussi, c'est une migraine. Il y a quand même pas mal de puissance, je pense. Sur tout ce qui est mis en place pour sa visite, on parle de plusieurs hélicoptères, etc., des milliers d'hommes sur place. Vous en pensez quoi? C'est vrai que c'est impressionnant, c'est énormément d'argent, j'ai entendu au journal. Vous avez vu qu'on voit ici tous les snipers qui bougent sur le toit, c'est vachement impressionnant dans la sécurité qu'il y a. Tous les hélicoptères qui tournent autour sans arrêt, les policiers partout, c'est un peu trop, je crois. 500 000 euros pour la ville de Bruxelles, ça vous paraît un peu trop aussi? Surtout quand, en période pas très facile, pas très bonne économique, je trouve ça quand même relativement fort. C'est une grosse somme d'argent. Mais c'est l'homme le plus puissant du monde. C'est l'homme le plus puissant au monde, il faut le sécuriser, mais bon, c'est vrai que c'est un peu. Votre nom, prénom? Florian Marchal. Fan d'Obama. Fan d'Obama, oui.